Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième numéro, samedi. Congo Nouveau, AFDCA, le TGI, Gombe, met fin à la dissidence des Nenin Koulou. Je voudrais, mesdames et messieurs, avant de commencer, quelques-uns, on a une ou deux petites minutes, parce que samedi, on prend tout, on met ensemble les lots. Bati Loukoubo récupère son parti, ce n'est plus un débat. Il récupère son parti et les conséquences doivent finalement être assumées, quoi. Bato, ça là qui est dissidence, quoi assumer Yango. Et AFDCA, ils ont la kaka moko. Ils ont la kaya bati loukouebo. Mboka ou yon a époque ya Kabila, mesani sa ki bato ko de doublaka ba parti. Mesani sa ki bato modèle ou ana. Cette dictature de parti politique, ils ont la qui de sorte que lorsque quelqu'un quitte un parti, il quitte la plateforme, il ne fait plus allégeance au roi. Qu'est-ce qu'on lui disait? Boto lui est parti, si un indiscipliné ou une indisciplinée, il y a parti ou on a, PC on pourra continuer. On a vu avec MCR, on a vu avec AFDC, on a vu dans la partie Ebélé, même avec l'UDPS. On a donné le parti de l'UDPS, excusez-moi, à un indiscipliné qui a continué Nango. C'est comme ça qu'on a toujours fait. C'était un peu comme, on va dire, le sacre du débauchage. Si on pouvait débaucher des hommes, mais à un moment donné, on débauchait même des partis. Et comme il y avait le ministre de la Justice qui était là, de la Justice et de l'Intérieur, qui au service du mal, il faut le dire, et cautionnait d'ailleurs un modèle. Mais à un moment donné, sur des questions de moralité, comment faites-vous quand vous savez que le parti que vous avez n'est pas le vôtre? Et dans le Tingana, Vanina Congo Bezawa, Jérémy Maïka, on dit même je ne le souhaite pas, Abimi Akafali Congo Beznaïe, et commence même à prendre mes clients en moi. À quoi on peut mettre à tout le bizarre pour qu'on gobeuse naïe? Mais il faut être, et à un moment donné dans la vie, il faut qu'on soit perdu, quoi. Il faut vraiment être perdu pour accepter le modèle. Voilà. Et c'était ce qui s'est passé, ce qui s'était passé. Et les gens pensaient que dans une rupture, on peut continuer dans le modèle. Voilà. Non! Moi, je le disais depuis longtemps, je dois le dire aux Congolais, parce que pourquoi tu commences à niveau pour rappeler le Mamoudou Lobaka? Parce que j'ai comme l'impression que les Congolais sont amnésiques, tout ça n'a pas moi mingi. Souvenez-vous que lorsque l'on a appris que l'AFDCA, et comment qui est à l'autre, il y a côté Moussoussou, avant même tout, j'étais le premier à dire, cette histoire est impensable. Oui, monsieur Bati Loukoubo était un allié de Kabila. Oui, il a le bilan avec Kabila. Oui, il a participé. Oui, on est d'accord sur la question. Mais devant un principe, on ne tergiverse pas. Devant un principe, le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Le bien reste le bien, même si personne ne le fait. Ça veut dire, même en enfer, le bien reste bien. Même au paradis, le mal reste mal.
Il faut dire aux gens qu'on ne peut pas comprendre que dans une république, qu'il y ait des dédoublements des partis politiques. Attendez deux secondes. On est où? Et là, on avait dit non. Mais comme on était dans une sorte de coalition, on va se faire, on va être ensemble, Tshilikombo a perdu sa place, et au Sénat, et au gouvernement. Et j'imagine comment on vivait, en sachant que c'est mon parti, ce sont mes avantages. Donc on a eu à un moment donné, le mal avait beaucoup plus de pouvoir sur le bien. Le détenteur du véritable pouvoir était exclu, alors que les faussaires et les usurpateurs pouvaient gérer le pays. C'est inconcevable, mes frères. C'est inconcevable. Et donc, il fallait mettre terme à cette histoire-là. Et aujourd'hui, les institutions de la République redonnent à M. Bahati son pouvoir. Et le parti, Bato a dit, dissident, va reperdre le pouvoir à Bango. Mais pourquoi il faut le faire tomber maintenant? Parce que le gouvernement lui-même va tomber dans peu de temps. Pourquoi? Il faut faire comme Giscard d'Estaing disait en son temps. Il faut laisser les basses choses mourir de leur propre poison. Valérie pensait qu'il fallait laisser les choses basses mourir de leur poison. Au lieu de attaquer en haut frontalement, quoi. On a laissé le gouvernement tomber et la dame va partir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que dans le prochain gouvernement, dans la prochaine reconfiguration des choses, d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, ce parti-là qui a finalement créé la dissidence, ce parti doit être tout simplement dissous, ou alors, on refaire parti na bango na combo moussousou, na ba initial moussousou. Mais comme on ressent na combo moussousou, na ba initial moussousou, et que vous êtes membre, vous n'avez pas de siège, vous perdez vos sièges. Donc, Tshilikombo reprendra et le siège au niveau de l'Assemblée nationale, et le siège au niveau du Sénat, et le siège au niveau du gouvernement. Ce qui fait que AFDC, Awa Lokuta, Oyaba usurpateur, va se retrouver dans la rue, sans mandat, sans élément du pouvoir. Et c'est même ça l'état de droit. Le véritable état de droit dont on veut, c'est un état de droit basé sur des principes. Ce n'est pas un état de droit basé sur la conciliation, basé sur les amourettes, non. C'est un état de droit basé sur le principe. Vous avez volé, eh bien on récupère le fruit du vol, on récupère le butin. Oui, c'est comme ça en réalité. Il n'y a pas de place de pitié, ou non, tout le monde mawa, bazaka, basi, omoni, non, non, non. Quand vous êtes femme, respectez-vous, faites des choses comme des femmes. Vous n'allez pas faire des choses comme des hommes, et puis quand on va vous traiter comme des hommes, vous allez sortir l'étiquette des femmes. Hein. Mais non, l'état de droit, c'est un état de droit qui ne tient pas compte du favoritisme, qui ne tient pas compte du clientélisme, qui ne tient pas compte du népotisme, qui ne tient pas compte du tribalisme, ou du régionalisme, mais qui tient compte de la méritocratie, qui tient compte du rétablissement des valeurs. Lorsque vous avez été dans le faux, restez dans le faux. Soit vous changez, vous devenez bien, ou vous perdez tous les avantages liés du faux. Parce que les avantages qu'on tire du faux sont supposé inexistant. Ndemakam, comme l'IFDC Angoana, Tshilikombo a récupéré. Je voudrais que les gens comprennent. Bon, comment comprendre le coup? Tshilikombo a récupéré kaka pouvoir naïe na gouvernement T. Même l'Assemblée nationale. La bataille va se poursuivre. Même l'Assemblée nationale. Et moi, je demande, même à l'État congolais, je ne sais pas si je peux demander ça, mais tous ceux qui ont été nommés, sur base, il y a gouvernement Wana, Balongwa, Bena Moussala. Ils doivent partir. Oui, oui, oui. Ils doivent partir. Parce que ces gens ont pris leur position. Balongwa, ma soeur Nabango, ma soeur Nabango, ma cousin Nabango, ma cousine Nabango, ma copine Nabango. Et à un moment donné, il faut dire non. Il faut dire non, 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 non. Lorsque le faux tombe, tous les corollaires du faux tombent aussi. Le principe de droit est d'Ali, le principal. L'accessoire suit les principales. Lorsque le principal est tombé, les accessoires tombent aussi. Au niveau des provinces, au niveau de tous les niveaux, dans le niveau de Nyonso, tout ce que le faux a produit, il faut l'annuler. Ainsi, on va dire véritablement état de droit. Oui, oui, c'est très important. C'est très important. Voilà un peu hein, ce que je voulais dire à ces sujets. Nous avons une autre nouvelle qui fait mal, hein, qui inquiète beaucoup. Je vous cite la citation. Nous avons à peu près 1100 professeurs. Il y a un très grand nombre qui est malade.
Nous avons déploré les 8 derniers mois une quarantaine de morts. Nous espérons que le gouvernement va réagir pour stopper cette situation, parce que si ça continue avec la situation sanitaire du pays, on risque le pire. L'IPR qu'on a imposé aux professeurs en pleine récession a fait qu'un professeur qui touchait par exemple 100 dollars se retrouve avec 20 dollars. Le stress que ça crée, et voilà, il y a des morts en cascade. Mesdames et messieurs, la Poukine a perdu près de 40 professeurs. Près de 40 professeurs. Tous des professeurs d'économie, médecine, psychologie, mais je crois que le droit aussi, hein, et puis il y en a beaucoup, hein, les lettres, donc il y en a beaucoup. Mais si nous regardons vraiment bien, bah, Koufé Bélé, on dirait, bah, ta médecine, là, bah, tu y a économie. Parce que même l'agronomie peut battre dans la carte. En réalité, quand des professeurs meurent dans un pays comme le nôtre, généralement, c'est les bons qui meurent. Généralement. C'est les bons, les meilleurs, les incorruptibles. C'est des cerveaux que nous perdons. Est-ce que l'État peut faire quelque chose pour régler la situation? Ces gens ne meurent pas forcément par la Covid. Hein. Il ne faut pas dire ça. Il n'y a qu'à pour la Covid. Parce que la Covid elle-même ne tue pas beaucoup. Covid est un bon bateau. On a déjà un problème de santé avant. Et bien, un bateau est pour gérer le stress. Quand on vous annonce que vous avez la Covid, au moins, il n'y a plus de salaire qui est dans Moukili déjà. Et comme je l'ai dit, la Covid ne tue pas, mais c'est pas beaucoup. Mais c'est plutôt les autres maladies liées à la Covid, des Covid, des Bouma. Des Bouma, Mango. Et des Bouma, rapidement. Et puis, la manière dont on présente le message, souvenez-vous, mesdames et messieurs, il y a cela, depuis l'année passée d'ailleurs, quand cette histoire avait commencé, j'avais fustigé manière où on a traité l'Ikambouane. On nous a présenté la Covid comme une fatalité. On nous a présenté la Covid comme quelque chose quand si elle vous attaque, vous mourrez immédiatement. Vos chances de vie sont tellement faibles qu'on vaut mieux ne pas en parler. Et on avait tous les jours le nombre de morts. Tous les jours le nombre de morts. On n'avait pas le nombre des vivants. On n'avait pas le nombre de ceux qui se tenaient bien. On n'en avait pas. Et alors, cette façon, cette terreur sanitaire a permis aux gens de ne pas comprendre la vérité. Sans une maladie, à moins qu'on ne l'ait. Et beaucoup sont morts comme ça. Et quand ça attaque les gens, il y a 60 ans, 70 ans, ils ont beaucoup plus de chances de ne pas survivre. Voyez-vous? Et beaucoup de nos professeurs sont tombés dans ça. Donc, on a péché dans la communication de cette maladie. J'ai dénoncé ça depuis longtemps. Nous avons terriblement péché. Aujourd'hui, vous voyez que depuis Bolobelassou, on va lui amiguiter. Est-ce que vous voyez que ça fait encore beaucoup de dégâts? Ça fait moins de dégâts aujourd'hui. Parce que quand quelqu'un est attaqué, quand quelqu'un est infecté, mais ça, c'est même pas vous. Hein. Ça, c'est même le niveau national. Ce n'est pas que Covid est si là, même les États-Unis, mais vous allez remarquer que les gens ont compris qu'il fallait moins communiquer sur le mort pour donner la possibilité à ceux-là qui vont choper cette saloperie de survivre. Et moi, j'ai des amis, je ne citerai pas leur nom pour des besoins de respect à ma santé, qui ont été infectés. Mais comment ils ont survécu? Ils m'ont dit, mais Christian, ce n'est pas si grave que ça. Tu peux attraper ça et puis tu survis. Ma belle, ce coup-ci, ma poumon, on a ma défaut, ce coup-ci, ma blog, on a ma défaut, au gros survivre. Mais nous, et puis nous, on a fait encore une autre erreur. On a stigmatisé le Kouana au point que, maman Moko, à Bomabananaye, à Tongola Bango, Congo Bolona, Citron, pour le rebang à Corona. Bah, Koufa, on a Kinshasa. Le Kouana Koubanga, Yango. On a tellement fait peur, et bah, te belle, bah, Koufa pour Yango. Je me dis même, qu'est-ce qui va mettre Moukendi, ce savant qui est parti. Est-ce que lui non plus n'est pas parti par peur, tout simplement, pour le bangelo comme modèle Wana? Parce que Badaki m'a promis, il était sur qui le deuxième cas ou bien le troisième cas, et à l'Okwana. Beaucoup de gens sont morts dans ma Covid, pas parce que Covid est Mouibango, mais stress, Kobanga, tout ça. Et on a mis tout ça en place pour faire peur aux gens. Et puis je n'entre pas dans vos histoires de complot international et tout ça, c'est pas le plus important. Mais au moins, c'était une information importante à donner aux gens. Nous demandons que le gouvernement fasse quelque chose. Les enseignants ne gagnent pas assez d'argent. Ces gens-là sont malheureux. Ils sont dans un système où ils sont prêts à tout vendre. Un professeur qui ne sait pas payer la maison. Un professeur qui ne sait pas acheter son propre carburant. Alors qu'il a un auditoire de 1000 personnes. Attaque au binomoko. Saint Thomas d'Aquin lobby, le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. Saint-Exupéry pense que vous ne pouvez pas demander aux gens de réfléchir quand ils ont faim. Blaise Pascal à l'objet, un ventre affamé n'a point d'oreille. Mes frères, vous ne pouvez pas demander à un professeur de se contenir alors qu'il n'a pas les moyens de se payer les carburants, alors qu'il a, en même temps, il a 1000 étudiants. 1000 étudiants, ça veut dire qu'il TP.
Naïna, un dollar, il a 1 000 dollars. Est-ce que vous imaginez, mes frères? Si on a qui TP, naïna, un dollar, il a 1 000 dollars. Donc, si on a qui Yango, a sali Yango 4 fois, il a 4 000 balles, il s'achète une voiture. Réfléchissons un peu. Ne soumettez pas les autres dans la tentation, ma casse, mon délo. Faut pas mettre les gens dans des dispositions où ils doivent être corrompus. Vous avez un auditeur, tant qu'il y a un auditeur, tant qu'il y a 1 000. Bisous, tout le temps, il y a un génie, dans toute l'époque, dans le pas mon tabandé, la zate. Bisous, tout le temps, il y a un savant, tout le temps, le roi, l'ikam. Dame, quand même, toi, ebi. Tant que vous avez un document, comme, oh, papa avait dit, maman avait dit. Mais on voit qu'il y a un diplôme, là. Ce qui m'a passé, c'est un livre. Professeur, on a mis un livre, on a 20 dollars. Et on a consommé, c'est considéré qu'il y a eu du cours d'anga, on a dispensé un examen. Et puis, dans le livre, on a un code, le code, on a évalué. Le code, on retient, on a papier, on a bino. Est-ce que vous imaginez, mes frères? Vous imaginez? Quand un professeur vous demande, par exemple, d'acheter un syllabus ou un livre, parce que, bah, moi, un monde, tant que tu as il a un syllabus. Mais, à un moment donné, il va changer comme un livre. Bah, il va être comme un sexy. Bah, c'est un livre. Livre, en réalité, c'est un syllabus. Bah, t'es 20 dollars. Ah, mais c'est une moyenne, tu reçois 1 000 livres, on va dire, il y en a 12. Vous pensez vraiment un élève, un étudiant va se battre pour avoir plus de points? Il ne se battra plus. Il s'arrête là. Il achète, il a 12. Bah, mais il y a un peu de 5, et comme il y a 17, et ça va s'en sortir. Mais les autres vont s'arrêter à 12. Mais alors, dites-moi, 20 dollars dans un auditoire de 1 000 personnes. Est-ce que vous avez l'idée de ce que c'est, ça représente? Mais le monsieur devient, il est calme, Adam est bien. Nous, nous connaissons des professeurs qui ont construit des maisons, dans un bon étudiant. Asombi ma belle à Tonginda Kunambonga va étudiant, Nambonga va TP. Ma corrompa ka été. Non, lui ne se fait pas corrompre. Mais il a trouvé un raccourci entre la corruption et pas la corruption. A trouvé un intermédiaire Rwanda. Parce que si vous le suivez, dites que non, on ne corrompt pas. Les gens achètent mes TP. Basomba va TP, basomba va livre. C'est bon. On ne me corrompt pas. Lui, tu ne veux pas aller le voir à la maison, pèse un bon. Non, il n'est pas. Il n'est pas. Anakunate. Il organise ma kambouma. Non, mes frères, c'est extrême. C'est extrême. Mais il y a des professeurs qui vont mourir parce qu'ils ont refusé de faire ça. Avec qu'il y a la logique que tu es. Tu as un modèle où tu es. Tu as un modèle où tu es. Tu as un na normal. Tu as un interro normalement. Je le conduis. Il y a des profs qui vendaient des livres et des syllabus, mais qui ne nous conditionnaient pas. Mais nous conditionnons. D'abord, ce sont des livres. Même pas comme il n'écrit même pas ton nom. Ils sont fous. Il dit, acheter un livre, sont là. Nous sommes et allié coûté. Biruna Bangoura a rendez-vous, n'a pas pied. Ce que ma prof a dit, combien? Je vous demande de mettre nos profs dans de bonnes conditions, s'il vous plaît. Monsieur le Président, réfléchissez pour que prochainement, dans votre nouveau gouvernement, quand vous allez le faire, vous allez le mettre en place, trouvez des conditions de vie à ma professeur. Moi, je peux demander. Moi, il va hyper wana. Bolongolongo, pas professeur. En tout cas, Bolongolongo, pas professeur. Parce que non seulement qu'il y a le Bolongo, bon, belé, mais faire les mettre dans des conditions malades ou mingitées. Bon, ça, la bango, qui va comme bah mendiant. Et la mendicité des professeurs, comme un mabé, parce qu'eux, ils échangent l'argent contre le cerveau. Il faut pas. Ils jouent. Bango, on a un quatrième. Il fait un laborantin. Les professeurs dans un pays représentent exactement ce que les mamans sont dans les cuisines. C'est eux qui préparent la nourriture pour que les bisotolia. Surtout, mon côté en conflit, il y a beaucoup de poisons, beaucoup de filles. On ne joue pas avec l'université. C'est là où on forme les cerveaux. Nos immeubles, nos maisons, nos états de santé, nos routes, notre police. Tout dépend de la qualité des informations que nous, on aura. Mais si les professeurs sont fatigués, si on les a clochardisés, ils ne vont pas enseigner convenablement. Et s'ils n'enseignent pas, on n'aura pas un pays, on n'aura pas un État. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour ce pays? Je pense que non. Donc travaillons bien pour Mambo et Kende et Dala bien. Moi, je pense que ça peut marcher. C'était pour le professeur. 349 députés adoptent le projet budget. Félix Tshisekedi annonce la redynamisation de la lutte anti-Covid en RDC. Cette question, j'en parlerai un autre jour. Un autre jour, je crois que Dala bien. Voilà, et vous allez bien. Alors, je voudrais ici, mesdames et messieurs, na mais qu'un peu qu'on réfléchir Nabino sur une question. Je répète ce que j'ai toujours dit. Le pouvoir
politique ezalaka na deux axes origine nango na finalité nango soki muta comprendre origine ya pouvoir na finalité nango ala déjà na moba base ya bien mais si ko tant que kitana se total rasiko le peuple parce que le pouvoir n'a que pour un seul but noble de redonner au peuple le sourire. C'est de faire en sorte que ce peuple soit satisfait dans les besoins élémentaires. Les besoins élémentaires, il y a peuple, il y a la canine, il y a la scolarisation, il y a la santé, il y a le logement, il y a le transport, il y a la moussala, le travail. C'est-à-dire, il y en a comme ça 8 ou 9. Ce qui peuple a le minimum, le peuple change la manière de faire les choses. Change la manière de concevoir les choses. Mais ce qu'on pour que pouvoir en est Simba et dans ma origine terre, ça ne dépend pas de l'origine du pouvoir, pas toujours de l'origine. Ça dépend de la finalité du pouvoir. Bande qu'on a dit, toi, c'est faire comprendre. Sinon, t'es tombé dans ma rambo, dans le balo, balo, mingi, mingi. L'origine du pouvoir peut être mauvaise, peut être bonne. Mais le plus important, ce que les gens se rappellent, ce à quoi les gens se rappellent le plus souvent, est de la finalité à pouvoir et non son origine. Les gens devraient comprendre ça. Kadhafi est entré dans le pouvoir, l'origine du pouvoir de Kadhafi est mauvaise. Mais la finalité du pouvoir de Kadhafi était une bonne finalité parce que le peuple libyen se retrouvait tant soit peu. Mais si vous regardez la vie du peuple libyen par les lunettes occidentales, vous allez dire non, il n'y a pas de démocratie, non, blablabla, blablabla, blablabla. Vous allez raconter ça. Mais du point de vue des vies de tous les jours, un Libyen vivait mieux. Un Libyen vivait mieux. Ce qu'aujourd'hui, lunettes occidentales, autant les politiques chinoises, au Golbakébana dictature. Sauf qu'aujourd'hui, une lunette occidentale, Otali, Yango, Otali, le Japon, tu vas dire que le Japon est une dictature. Vous allez dire tout ce que vous voulez. Non, le Japon, les conditions, la démocratie, blablabla. Vous allez raconter. Mais le problème du pouvoir, ce n'est pas son origine. Le problème du pouvoir, c'est sa finalité d'abord. À quoi sert ce pouvoir-là? Ce pouvoir sert à quoi exactement? Si le pouvoir sert à anoblir le peuple, à l'éduquer, à investir dans ce peuple, à l'encadrer, à le faire épanouir, à le faire développer, à le faire accroître, ce pouvoir a son sens. Souvent, bateau, makanga makao, légitimité, origine à pouvoir, bateau, badalio, tobengaka, produit fabriqué par l'Occident. Ils sont fabriqués par l'Occident, ils veulent réfléchir comme ça. En réalité, le pouvoir ne tient pas que par l'origine. Il est bien, c'est mieux. Que le pouvoir émane véritablement du peuple. Je dis bien, le souhait, l'idéal, dans une république, il faut que le pouvoir vienne du peuple. Ça, c'est l'idéal. Mais il peut se faire que le pouvoir ne vienne pas du peuple, que le pouvoir ne vienne pas du peuple, mais que l'exercice de ce pouvoir-là soit pour le peuple. Oui, lorsqu'il y a un coup d'État, ça veut dire l'origine du pouvoir est mauvaise. Parce que le pouvoir, son origine, n'est pas prise en charge par le système que vous avez choisi. Mais maintenant, les gens vont regarder la deuxième chose. Ça va être la qualité de son exercice. Parce que la finalité d'un pouvoir dépend de la qualité de son exercice et non de la manière dont le pouvoir a été acquis. Maintenant, ça, c'est une dimension que beaucoup ne comprennent pas. On m'a dit, bateau, tout va finir en Machiavel. Hein. Pour la plus, excusez-moi de vous le dire, tous ceux qui ne comprennent pas Machiavel sont des hommes et des femmes de peu de lecture, ils ne lisent pas. C'est des messieurs qui ne lisent pas, ils font un peu, ils ne lisent pas. Parce que Moutou Atangi a confié un livre Machiavel. Théo Atanga Kapenza a confié un livre Machiavel. Ce qui est Thomas Hobbes, Karl Marx, Montesquieu, toutes ces personnes-là ont la lumière, ils ont Victor Hugo, même dignitaire, même tout le dirigeant de Boka, Hitler, Clemenceau, tous ces gens-là n'ont jamais contredit Machiavel. Seulement Machiavel a été mal compris. Machiavel a été mal compris. Et la célèbre phrase, ceux qui n'ont pas lu véritablement Machiavel, gardent la simple phrase.
sorti de son contexte. Hein. Non, tous les moyens sont bons pour avoir le pouvoir. Machiavel le dit comment? Comment et quand est-ce que Machiavel le dit? La plupart des gens qui racontent leur, cette histoire, et puis quand on dit c'est machiavélique, hein, et ils pensent que quand on dit machiavélique, ça veut dire non, il y a Machiavel, comme un acteur de pensée, a eu de contradicteurs, il a eu de détracteurs. Mais la pensée de Machiavel est une pensée réaliste. Ce n'est pas une pensée idéaliste. Ce n'est pas une pensée ecclésiastique. Non, vous voulez amener votre pensée ecclésiastique dans la politique. J'entends les gens faire des débats pour rien, quoi. Moi, je vous dis, mesdames et messieurs, je ne peux pas débattre avec des gens qui ne lisent pas. Hein, ceux qui ne lisent pas, c'est ton problème. C'est ton affaire, mais il faut lire. Il faut lire d'abord ce que Machiavel dit. Lisez le chapitre Royaume. Lisez le chapitre de Royaume, quand Machiavel parle exactement de la fondation d'un royaume. Machiavel dit au prince, un peu comme on dirait au président Félix Tshisekedi, tout ce que je dis. Machiavel dit au prince, il dit, monsieur le président, vous n'avez pas ce n'est pas vous qui allez changer tout ce monde. Non. Vous devez travailler avec les forces en présence. C'est ce que vous voulez. Et Machiavel vous donne deux positions. Soit, si vous voulez renverser tout, c'est à vous de voir, mais vous devez avoir le soutien de tous les généraux. C'est Machiavel qui dit ça. Vous devez avoir le soutien de tous les alliés, de tous les généraux. Parce que ce qui va déranger le peuple et qui va changer la manière de faire ça à Makambu, ça peut créer des mouvements, ça peut créer des soulèvements. Est-ce que vous êtes prêts? Machiavel demande au prince de ménager sa monture avant de penser au changement. Où est-ce qu'il dit de mal, Loan? Où est-ce qu'il dit de mauvais, là? Moi, je suis véritablement un machiavéliste. Oui. Je suis un machiavéliste. Je continue à le croire. Je suis un bon élève de Machiavel. J'applique la théorie de Machiavel. Parce que c'est une théorie vraie. Ce n'est pas une théorie des illusions. On a pensé. Non, Machiavel parle de la construction des États sur des bases solides. Machiavel n'est pas immoral. Les gens confondent. Ce n'est pas l'immoralité. Et puis la moralité n'est pas l'absence de la morale. Attendez, on dit quoi? C'est le non-recours à ça quand il s'agit de vos besoins à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, n'ayez na pouvoir. Na kuti bato tout balangwaka, balangwaka kak, na pouvoir. Je ne change pas tout de suite, je ne change pas ça tout de suite. Non. Machiavel évite les changements brusques. Parce que les changements brusques, ça casse. Machiavel parle de la négociation, mais avec une force. Machiavel dit, l'homme est naturellement mauvais. Machiavel a dit, hein, l'homme est naturellement mauvais. Il y en a qui acceptent la caresse, qui acceptent la discussion, et avec d'autres, il faut aller brutalement. C'est Machiavel, et même si c'est vrai. Vous pensez que dans le Congo, on a besoin de tout ça pour gagner le pouvoir, on a besoin de tomber le Congo dans la théorie de Blaise Pascal. On retombe la théorie, on a Mbokao, on a propos à Saint-Exupéry. Vous pensez? Mbokao est retombe dans la logique, il y a Platon. Et retombe dans la logique, il y a Pythagore, il y a Thalès, il y a Machiavel, il y a Hobbes, il y a Robespierre, il y a Pépin les Brefs. Ma théorie ou Anna. Quoique à un moment donné, dans la contradictoire. Mais elle trouvera mêlé dans la place encore. On ne négocie pas son pouvoir sans aucune force. Il faut la force. La démocratie a prouvé ses limites. Partout à travers le monde, on ne développe pas un pays avec la démocratie. On ne commence pas, je veux dire, on n'engendre pas le développement dans une démocratie. C'est la démocratie qui rencontre le développement au cours de son chemin. Il faut d'abord créer l'homme, le prototype de l'homme. Éduquer, former, équiper, et puis vous l'amenez à la démocratie. Un homme qui n'est pas prêt à parler, un homme qui n'est pas éduqué, n'a pas besoin de la démocratie, il a besoin de la dictature. Ça, c'est la vérité des choses. Il ne faut pas aller gauche ou droite. Totika lokutawana. Platon a lobby bouillé. La démocratie dans un pays où les gens n'ont pas assez étudié est un système abject. C'est un système abject. Donc la démocratie, c'est l'appréciation. Mais pour être en mesure d'apprécier, vous devez avoir un niveau. Même la France n'est pas née dans la démocratie. Tous ces pays, oh, bah, pays, minen, lelo, bah, qu'on a la démocratie,
bakola non la dictature ba outi na ba dictature et na banzela na bangonde ba ko changer makambo malembe malembe et vous vous voulez nous imposer la dictature la démocratie maintenant. Non, non. C'est pourquoi j'ai dit au chef de l'État, monsieur le président de la République, si vous lisez Machiavel, vous comprendrez que ce pays n'a pas besoin de la démocratie made in Congo comme ça. Non. Ce pays a besoin d'une démocratie progressive. Nous allons aller doucement. On va aller calmement, petit à petit, jusqu'à ce qu'on va avoir une démocratie beaucoup plus large. Mais on ne peut pas. Quelqu'un qui n'a jamais étudié, qui n'a jamais été à l'école, imaginez-vous. Atangate à Kola, donc Atangate à Ebi, même pas Makambouana. Mais vous n'avez pas de professeur d'université. Vous pouvez imaginer ça? Il ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants d'une démocratie. Il ne connaît pas les enjeux démocratiques d'un pays, mais on lui donne à lui de voter. Et lui, est un professeur d'université, il va voir Moko. Non, attendez deux secondes, il faudrait informer, il faut enseigner, il faut éduquer, il faut un civisme électoral. Le Congolais a atteint un niveau où il fait des choses exprès. Le Congolais a atteint un niveau. Et le Congolais a ko, il faut que Baïb sache que oh, ça est un ko. Alors toi, là, c'est un ko. C'est comme ça qu'on règle les choses. Machiavel dit au président, au prince, d'avoir la capacité du lion pour dissuader ses adversaires et d'avoir la capacité du renard pour déjouer tous les plans que Antoine va jouer. Oh, la place, il y a. Alors, très souvent, il faut utiliser la carotte et puis un peu le bâton, quoi. Au Ningissimo Koteo, au Ningissipe Koteo. Moi, je ne vois pas là où il dit le mal. Et quand les gens m'appellent pour me dire que non, Christian, yo, aux autres côtés de Machiavel, aux autres côtés de ma présence, Azala, dictateur, non, ça, c'est une sorte de courte réflexion, hein, bah, raccourci. C'est pourquoi je vous dis, passez plus de temps à lire qu'à raconter des histoires. Hein. Quand on n'a pas été formé, vaut mieux ne pas parler parce qu'on déforme. Prenons notre temps, lisons. Ça ne nous coûte pas grand-chose. Maintenant, là, je suis en train de lire, un ouvrage. Il y a une dame, on m'a envoyé un livre, il y a une dame constitutionnaliste française. Je suis en train de lire ces livres. Et ça me fait plaisir de savoir que beaucoup de choses que j'ai dit, il y a ma tribune, et là, finalement, va corriger à Baninyona. C'était un véritable livre, un très grand et beau livre. Et tous ceux qui sont en Europe savent. Ceux avec qui nous parlons, nous discutons toujours, je leur demande. D'abord des livres, je dis, envoyez-moi des livres, j'en ai besoin. Envoyez-moi des livres, j'en ai besoin. Ndeko, totangaka, avant tout le monde, ma rambo, tonito le bras, totangaka, totangaka. Mouto, ce que moni moutou moko, na moukilioyo, a dénigré Machiavel, c'est katangaka te, il n'a pas lu. Ayo kakak. Le roi a livré na mouboutou mouta simba, et kataka dictateur, a dit, ah, mouta fanta pouvoir na yoana. Non, Machiavel a zopé sa idée, a tracé chemin. A dit, président, Nzelan balé yango. Nzela ya makasi yango ya le chemin le plus dur yango yo. Bon, oza moyen facile yango. Yo poni nini. Soko poni moyen facile ta ba conséquence nango yango. Soko poni moyen difficile ta ba conséquence nango yango. Ça c'est Machiavel qui dit. Il dit au chef, il lui présente deux chemins. Mais lui il est dans le réalisme politique. Encore qu'il faut qu'on comprenne ce que c'est le réalisme politique. Ce n'est pas l'ecclésiastique. C'en est fini. Merci pour avoir été là. Nous attendons vos soutiens pour notre voyage à Nabisso, Yambandaka, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Maman, mais toi, t'es un gnosso, biloko ya, 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 congolais, on y la yo, a sali sa yo, te, pour la colère la yo, moko ma bonne la yo, pour la toto la yo, moko ya ele, pour ma bonne la yo, balobi bio, Africa, union, et toi, t'es un tout à coup, on a pas si moi, sinon, on y a pas, sinon, on y a dit, moko, moko, la yo, t'es un tout à coup, biloko ya, moka, ya, fraise, ya, yo, Coriana, appétit.
Loye molonde ne yali sanga.